Ce que nous pouvons retenir de ce passage, de ce jour, c'est que le Christ a été le premier à nous aimer. Nous devons en retour nous aussi l'aimer. Nous devenons ainsi au fur et à mesure que nous le découvrons, capables de l'aimer. Et à sa manière, l'aimer à sa manière. Il attend d'être aimé de façon unique, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Lui nous a aimés ainsi. Et seulement parce que lui, avec son tout, il est dans son droit de nous demander notre tout.